De gens qui nous ont bien aidé à nous installer, on s'est fait héberger chez des amis, après on nous a trouvé des petits apparts, enfin des gens super bien quoi. Et puis au bout d'un moment, les logements c'est galère. Du coup on a été obligé de traverser pour pouvoir avoir un toit quoi. Et donc voilà, nous voilà en France. Il y a un jeune saisonnier qui est venu me demander s'il pouvait se faire tatouer l'île. En blaguant, je lui ai dit qu'il fallait que j'en parle au conseil des Porquerolles. Et non, je ne l'aurais jamais tatoué. C'est comme si un Parisien il se faisait tatouer la Corse parce qu'il est parti en vacances, quoi. C'est un truc assez... Même moi, je l'ai pas. J'ai habité là-bas, je me sens pas de... Je sais pas, c'est pas encore chez moi, quoi. Donc c'est vraiment Porquerolles de naissance qui ont l'île de Porquerolles. J'ai repris celle de Eric Sanchez. Il y a Silou aussi, qui l'a. Il y a Jenny. Le tatouage pour moi représente vraiment l'île. C'est vraiment le cœur, la famille. J'ai tatoué l'île parce que je l'aime. Elle est ancrée dans mon cœur et j'ai beaucoup de respect pour elle. Elle m'a vu grandir. Et voilà, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous et qu'on ne peut pas expliquer vraiment. Ça vient des pieds jusqu'au cœur et on est touché par elle et forcément on se la tatoue parce qu'elle fait partie de nous. Moi d'acheter un mètre carré à 14 000 euros, ce qui n'est pas possible, et on doit tous partir, les jeunes, c'est ce qui est en train de se passer. Je voyage beaucoup, du coup d'où le tatouage, c'est pour pas oublier d'où je viens. Je suis arrivé ici, j'avais 3 jours. Entre cette île et moi, c'est une véritable histoire d'amour. J'étais déjà dans la peau, donc il me manquait plus que matérialiser, quoi. C'est chez moi. Après, qu'est-ce que je pourrais trouver comme adjectif? Je sais pas, pour moi, c'est... ça te ressource, quoi. Puis c'est la famille, quoi. C'est un truc dans le genre. Et vraiment, un mot qui définirait, c'est le cœur, le sang. La beauté. J'habite ici depuis tout petit, c'est là où j'ai grandi, c'est ce qui fait que maintenant je suis là ici, c'est grâce à elle. J'ai fait le tour du monde et je pense qu'elle a rien à envier à toutes les autres îles du monde.